Yahoo, Tibon Cha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir en voix off, je suis désolée, pour donc la vidéo planning du mois. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je pense que ça doit te faire bizarre de me voir en vidéo, voix off, enfin de m'avoir, surtout ma voix en voix off. Mais je t'avoue qu'on est vendredi, qu'il est déjà 16h20 et que je n'avais pas la foi de m'habiller, de me maquiller juste pour faire cette vidéo. Car je dois t'avouer que j'ai perdu la première version où j'avais fait ça pendant le mois de septembre, tout début septembre. Donc pour ce qui est de la vidéo planning du mois, ce mois-ci, on va se retrouver du lundi au vendredi à 17h. Et promis, il n'y aura pas trop de retard, il n'y aura pas trop de jours où il y aura des couacs. On se retrouve donc du lundi au vendredi à 17h. Bien entendu, le vendredi, on se retrouvera avec du yaoi. On va avoir aussi un kodomo, donc bien entendu, comme d'habitude, le 17. Et tous les autres jours, je vais donc te présenter des mangas. Alors, tu vas voir qu'il y a un peu de tout, parce que rien que pour les premiers jours, on va tomber amour d'automne. On va commencer donc avec un amour d'automne, puis un hurlement dans les bois. Donc, tu vois, on commence tout doucement. On va avoir peut-être un ou deux bains de sang, mais on n'en a pas beaucoup de prévus au programme pour cette année. On a surtout du hurlement dans les bois, parce que en fait, je suis en train de relire Double Judge et Secret. Et je me rends compte qu'on n'est pas du tout sur un bain de sang, mais plus sur un hurlement dans les bois. Je pensais lors de la vidéo pile à lire, mais finalement, ce n'est absolument pas le cas. Donc, je t'affiche de toute façon dans la barre d'infos, comme d'habitude, quel jour tu as quoi. Sache que je te propose donc le week-end à 1000. Donc, le week-end à 1000, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un week-end en fait où je te propose de te lancer le challenge de lire 1000 ou même 2000 pages. Si tu te sens hâte à faire 3000 pages, lance-toi le challenge de 3000 pages, ce n'est pas grave. Le but, c'est juste de partager entre nous, justement, nos lectures du moment, etc. Donc, je te propose ça le week-end du 25, 26 et 27 octobre, car tout simplement, après, le mois se termine un petit peu bancalement. Donc, je te propose ça au niveau du dernier week-end qui est disponible dans le mois d'octobre. Et je t'invite aussi, si tu es motivé, à faire une nuit manga. Ça, je te remets aussi quelques informations en barre d'infos parce que c'est assez bancal aussi au niveau des informations que je me rappelle plus de tout, honnêtement. Et donc, je vais te proposer ça de la nuit du 29 au 30 octobre et la nuit du 30 au 31 pour se faire des nuits manga 100% Halloween. N'hésite surtout pas à aller voir en barre d'infos pour avoir aussi le lien vers le groupe Facebook Weekend à 1000. Je te mets bien entendu aussi en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook pour le Weekend à 1000 et pour les nuits manga. C'est le même groupe honnêtement. Et aussi je te mets en barre d'infos les hashtags pour pouvoir nous rejoindre sur les réseaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, avec donc les hashtags en ce qui concerne le Weekend à 1000, le Halloween Manga Challenge et la nuit manga. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire quelle est la vidéo du mois que tu attends le plus, ou même la prochaine vidéo que tu attends le plus pour cette semaine. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!